les amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquillou. En plus, en ce moment, on a la forme. On touche encore le quintet en désordre aujourd'hui. Les amis, ah oui. Donc, vendredi soir, on touche le quintet désordre aussi. C'était pas mal. Hier, si cet as ne rentre pas, ben, on aurait pu faire aussi. Un désordre, c'est-à-dire en 3 jours, on aurait pu faire 3 fois qu'il était désordre, c'était du jamais vu. Voilà. Donc aujourd'hui, eh ben, un bon petit désordre en 6 chevaux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est 6 chevaux. Et c'est pas facile, donc j'invite à tout le monde, essayez de faire en 6 chevaux et vous allez voir. Donc en tout cas, tant mieux pour ceux qui me suivent, les habitués. Je sais qu'il y en a, ils m'ont suivi. Donc. Quand ça touche, ben, je suis content, hein, voilà. Donc surtout quand il y a une période comme ça, un peu de forme, parce que je sais de suite que avec les courses, ça va vite retomber, les amis. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont profité, je leur dis bravo. Donc pour demain, ça va être encore une course, voilà, pour moi, vous savez, en plat, hein, ça va être encore difficile. Ça sera à Saint-Cloud, voilà. 1600 mètres, 16 partants, des chevaux qu'on connaît très bien. Voilà, je pense que il faudra faire attention, c'est à la météo. Je sais que hier il a plu à Saint-Cloud, aujourd'hui il va pleuvoir et peut-être un peu demain matin. Et je sais qu'il y a des chevaux qui attendent et même des entraîneurs qui attendent que ça. J'espère qu'il pleut. Voilà, qu'il y a un peu de pluie pour que les terrains ils deviennent un peu souples. Et il y a des chevaux qui adorent le souple. Et voire même des chevaux oubliés qui peuvent faire quelque chose demain dans le quintet. Et c'est pour ça que moi, je vais tenter dans mon pronostic. Hein, comme en ce moment, on va dire on a la forme, mais pourquoi pas, il faut tenter des outsiders. Voilà les amis. Donc nous, on va faire de suite notre pronostic. Et on va commencer par nos deux bases. Donc ça va être Ariz, ce numéro 2. Voilà, il faut oublier sa dernière performance. Et récent vainqueur d'un quintet, je pense qu'il peut remettre encore les pendules à l'heure, attention. Après je vais mettre ce 6, Sanga Chimgad. Lui aussi, je pense que même c'est sa course avec Soumillon, numéro 1 derrière les stalles, course visée. J'ai hésité, 6, 2, 2, 6, j'ai mis 2, 6. Mais bon, voilà, ce sera mes deux bonnes bases. Mes outsiders, je vais mettre ce 4. Shielding, je le mets parce qu'il va adorer... le parcours souple, hein, si ça continue un peu à pleuvoir jusqu'à demain matin. Voilà. Je vais mettre ce 7 Espiritum, un cheval que je connais très bien. Habituellement monté par Santiago, Mademoiselle Santiago. Mais bon, je fais confiance en l'entraînement. Surtout que le terrain ne va pas lui déplaire. Cet as, Rajkumar avec Pierre-Charles Boudot. Rajkumar, même à 60 kg, hein, il avait déjà très bien fait dans un quintet. Je crois qu'il faisait 3e à ce poids-là. Rajkumar, on le connaît, fera encore une belle course et il peut arracher une belle place dans ce quintet. Pas pour la victoire vu son poids, mais une 4e-5e place, pourquoi pas. Et je vais mettre ce 11, Kivana Fushi. Voilà, donc assez compliqué, voilà, parce que... vu ses pertes dernièrement, on peut dire que ça fait peur, hein. 13, 14, 15e, 6e, 7e. Mais c'est un cheval que, voilà, à tout moment, il fait des perfs là où on l'attend pas. Et je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est des ressentis. Demain, comme j'ai dit, si le terrain reste comme ça, il peut nous faire un truc. Il peut rentrer encore à très belle cote, ce 11. Un pensionnaire de Alexis Pantal. Voilà. Donc j'ai essayé de mettre un peu des outsiders. Je tente, hein, si le terrain pour demain, s'il est souple. Voilà. Mon regret, ça sera un des favoris. Hein. Comme je l'ai dit, je tente toujours. Comme aujourd'hui, c'était ce 6 à peu près. Quoi. French, je ne me rappelle plus. C'était French quelque chose, numéro 6, je ne me rappelle plus. J'avais mis un regret, bon, qui ne rentre pas. Et je tente ben, ce 9. Mary Santi. Qui sera très en vue. Voilà, je tente de mettre en regret. Voilà, les amis. Donc, mes pronos pour demain, c'est fini. Le chocolat pour aujourd'hui,
Eh ben, c'était ce neuf dans le quintet, contorsionniste, qui finit deuxième. Voilà, une très bonne place. Je crois que la place, ça fait 2,80 €. Faut dire qu'on est en forme en ce moment avec les CD, avec les, j'allais dire les CDJ. Attention à ce que tu dis, Mika. Les CDJ, ça c'est les autres. Après, ils vont te dire, tu fais du plagiat. Donc, les Choco, pardon, les Choco Mika Turf. Donc, c'est du 25 sur 15. Donc, ça veut dire que je vous ai donné 25 chevaux ce mois-ci. Il y en a 15 qui sont rentrés. On va dire que c'est plus que bien pour moi. Voilà. Donc, on reste dans cette forme-là. Surtout, d'autant qu'on reste voilà, dans cette forme-là. Hein. Je crois que c'est le cinquième ou sixième d'affilée. Il faudrait que je regarde. Donc, on va dire que c'est une bonne série. Et on espère de continuer jusqu'à demain. Donc, ce neuf qui rentre très bien. Pour demain, les amis. Ce sera la réunion 4 à Vincennes, course 5. La seule drive de Jean-Michel Bazir, le roi de Vincennes. Ah ouais, la seule. Donc, il va pas faire la course pour rien. Hein. Ce sera Galon de Vire. Voilà, Galon de Vire, déféré des 4, Jean-Michel Bazir, bien placé derrière la voiture, car c'est une course autostar. On appelle le roi Osulki GMB. Il se déplace que pour cette course-là. Pour moi, ça doit viser la win-win. Donc, j'espère que Jean-Michel Bazir il va me faire continuer la série des chocos. Voilà, les amis. Moi, comme d'habitude, ben, je vous dis bon pronostic. À demain. Ben, si on a encore un quintet des ordres, ben, ça sera pas mal. Parce que voilà, ça sera pas mal. Hein. Mais bon, je pense qu'à mon avis, ben, avec les courses, ça va aller très vite. Hein. Voilà. Mais bon, on profite de la forme. Et moi, comme d'habitude, je vous dis adieu.